Bonsoir et bienvenue à notre émission quotidienne 100% marché. Aujourd'hui, le 23 mars, il est 18h. Le moment de regarder les marchés ensemble avec notre cher analyste indépendant, Laurent Albi. Bonsoir, Laurent. Bonsoir, Falco. Bonsoir à tous. Alors, le titre de l'émission, le prix du baril pèse sur le CAC 40. On va regarder ça dans quelques secondes. Dans cette émission, on va analyser le CAC deux fois. Parce qu'une fois, tu vas faire une analyse graphique et après, tu vas ajouter quelque chose qui est super intéressant. Donc, je ne vous dis pas plus. Après, on va regarder le Nasdaq 100. Après, on va comparer un peu le Nasdaq 100 aussi avec la tech et tout ça. Donc, force relative. Donc, très, très intéressant. Et ensuite, on va faire une analyse sur tout. Laurent va faire l'analyse de Ruby, GTT, Interparfums et Unibail. Alors, joli programme. Et comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et activer surtout la petite cloche grise à côté de laquelle il y a écrit tout. Comme ça, vous ne loupez pas un de nos émissions. Très important. Alors maintenant, le CAC 40 aujourd'hui en baisse de moins 1,17%, fini à 6581,43 points. Le DAX moins 1,34% et baisse encore plus. Le S&P 500 et tous les deux, les Nasdaq, et ils sont tous les deux en baisse aujourd'hui. Une petite baisse encore, la mi-séance. On verra comment la clôture va se passer aujourd'hui. L'or qui monte un tout petit peu, le Brent qui gagne quand même presque 5%. Il est à $120 en fait, le Brent. C'est pour ça le titre aussi, le prix du baril pèse sur le CAC 40. Alors, oui, parce qu'effectivement, quand on voit un prix du baril qui repart à la hausse, eh bien, cela veut dire que les tensions inflationnistes reviennent sur le devant de la scène, si elles les avaient déjà quittées, on ne sait pas. Et on a donc des investisseurs qui se disent qu'un prix du baril qui repart à la hausse, ça rogne les marges des entreprises, ça augmente le prix de l'essence, donc des hydrocarbures, ça augmente le prix de pas mal de choses dans le secteur industriel. Et donc, ça diminue le pouvoir d'achat, donc ça ralentit la dépense des ménages. Et tout ça, ce n'est pas bon. Tout ça, avant le week-end, ce n'est pas très bien. Alors, le CAC, il consolide aujourd'hui. Donc, c'est à cause du baril. Est-ce que le rebond, il est en danger, Laurent? Alors, non. Ce soir. Le rebond du CAC 40 n'est pas encore en danger. Puisque vous le savez maintenant, j'ai montré à plusieurs reprises ce gap haussier qui est pour moi une zone importante de support, c'est-à-dire une zone d'achat potentiel. On a de nombreux investisseurs qui n'ont pas forcément participé à la première partie du rebond. Et qui se disent retardataire. Exactement. Et qui se disent que si le CAC 40 retournait dans cette zone entre 6383 points et 6487 points, c'est-à-dire grosso modo une zone de 100 points, eh bien, ça serait peut-être une opportunité pour accompagner ce mouvement haussier qui n'est peut-être pas terminé. Alors évidemment, on ne sait pas encore exactement de quoi demain est fait, mais en tout cas, on voit clairement où est la zone qui, a priori, concentre les achats. Si nous assistions dans les prochains jours à un retour du CAC 40 dans cette zone de support et que la demande n'est pas suffisamment forte pour générer un rebond et que la zone basse, c'est-à-dire à 6383 points, était enfoncée, alors là, on pourrait effectivement commencer à se poser de sérieuses questions sur la capacité des acheteurs à continuer de propulser le CAC 40 vers son premier palier très important qui est à 6750, entre 6750 et 6800 points. Vous voyez, c'est cette zone de résistance ici. Donc, pour le moment, nous avons aujourd'hui une journée négative de vente. Maintenant, quand vous observez la clôture de ce soir par rapport au cours d'ouverture d'hier, on voit bien que c'est simplement l'annulation de la hausse d'hier, ce qui veut dire qu'a priori, nous restons dans un contexte de consolidation. Contexte de consolidation et non pas contexte de retour de la pression vendeuse pour le moment. Ce n'est que sur la clôture sous la borne basse du gap haussier à 6383 qu'il faudra effectivement mettre en place peut-être des stratégies de couverture qui pourraient protéger donc les portefeuilles contre un retour de la volatilité. Pour le moment, on est à l'intérieur de ce range que tu vois ici, avec cette zone de support et cette zone de résistance, c'est une zone d'attente, d'incertitude. Et par conséquent, il est encore trop tôt pour passer clairement négatif. Alors, je ne vous propose pas ce soir de produits qui pourraient accompagner la dépréciation des cours sur le CAC 40, parce que vous voyez bien que le target est ici, à 6483. Et même s'il est plus bas, ça nous donne un ratio rendement risque d'environ 1, ce qui n'est pas intéressant, d'autant plus qu'on est à contre-tendance et que je n'ai pas de signal particulier d'un retour
agressif, on va dire, des vendeurs. Donc pour le moment, on botte, on touche, on attend. Je dis souvent que c'est la journée après le signal baissier qui est importante, même si demain nous avions encore de la pression vendeuse sur le CAC 40. Encore une fois, le premier niveau de soutien, il est à 6483, 6484 et le deuxième à 6383. Merci beaucoup, Laurent. Maintenant, tu veux nous montrer quelque chose spécial que tu as préparé pour le CAC 40. Il y a des zones, en fait. Explique-nous. Oui. Alors, effectivement, je vous ai préparé ce soir un petit travail où j'ai découpé d'une certaine manière le CAC 40 en mille feuilles pour vous permettre de voir quelles sont les différentes zones et ce qu'elles signifient. Alors, les deux zones les plus évidentes, c'est la zone de danger, c'est-à-dire la zone de continuation baissière, si le CAC 40 devait casser les 5750 points. Et puis, la zone de reprise de la tendance haussière de moyen terme au-dessus des 7380 points. Entre ces deux niveaux, au-dessus de 7380 et en dessous de 5750, il y a deux zones intermédiaires. La zone dans laquelle nous sommes et qui part donc de 5750 et qui va jusqu'à 6750 points, c'est ce que j'appelle la zone d'incertitude, c'est-à-dire une zone de range où le CAC peut faire plusieurs allers-retours entre le support et la résistance. Ça ne change rien, on est dans cette fourchette de prix, de consolidation, d'incertitude, en attendant que les choses se décantent. Il n'y a pas véritablement de pression baissière parce qu'on ne casse pas le niveau de support à 5750, mais il n'y a pas non plus les catalyseurs suffisants pour que le CAC puisse repartir à la hausse. Donc, zone d'incertitude, 6750, 5750. Si le CAC arrive à dépasser cette zone de polarité ici, qui est d'une certaine manière, qui pourrait être interprétée comme une ligne de coup d'une tête-épaule, avec, vous voyez ici, l'épaule gauche, la tête, l'épaule droite, la neckline qui passe à 6750. Si le CAC arrive à se hisser et à dépasser cette zone à 6750, eh bien, il rentre dans ce que j'ai appelé une zone de confort. Pourquoi une zone de confort? Eh bien, parce que entre 6750 et 7380, le risque baissier immédiat est clairement écarté. On est plutôt dans une configuration qui favorise l'appétit pour le risque. Et évidemment, de retour entre 6750 et 7380 points, c'est la question centrale deviendra, est-ce que le CAC va être en mesure de retourner sur son précédent sommet, celui que vous voyez ici, du 5 janvier, et peut-être le dépasser pour réaffirmer donc le mouvement haussier de moyen terme. Donc, au-dessus de 7380 points, on est clairement haussier à moyen terme. Entre 7380 et 6750, c'est la zone de confort puisqu'on est dans une strate où le danger baissier, le risque baissier est écarté. Entre 6750 et 5750, c'est la zone d'incertitude, c'est-à-dire la zone dans laquelle nous sommes maintenant, dans le brouillard, avec parfois des nouvelles un petit peu plus positives que la veille, et puis parfois des nouvelles qui sont un petit peu négatives, comme par exemple aujourd'hui avec le prix du baril de pétrole qui retourne sur les 120 dollars. Donc voilà, on est un petit peu ballotté par les événements géopolitiques, mais également les événements macroéconomiques avec des propos des banques centrales, et notamment ceux de Christine Lagarde, qui peuvent à certains moments jeter un petit peu d'effroi sur les marchés. Donc voilà, on est dans cette fourchette de prix entre 5750 et 6750, c'est la zone d'incertitude. Et puis si le CAC retournait et cassait 5750, alors là, pour le coup, Falco, ça serait clairement une reprise d'un courant baissier a priori puissant qui pourrait précipiter le CAC 40 sur les 5500 points. Alors, le CAC dans pleine zone d'incertitude, même si la haute fourchette de cette zone. Le Nasdaq 100, lui, il est dans quelle zone en fait en ce moment? Alors, le Nasdaq 100, il a donc déclenché cette lecture en double creux avec le franchissement de la ligne de coup à 14340. Alors là, la zone, il est dans une zone d'incertitude lui aussi. C'est-à-dire que cette zone d'incertitude part des 13065 points, c'est-à-dire le bas de l'écran que vous voyez ici, et se prolonge jusqu'à ce niveau à 15060 points, c'est-à-dire ici. Si le Nasdaq 100 arrive à dépasser les 15060 points, on rentre dans la zone de confort, c'est-à-dire
celle où le risque baissier semble être écarté. Alors pourquoi au-dessus de 15 060 points, ça redevient la zone de confort? Ce n'est pas juste des noms et des zones que je trace comme ça au hasard. C'est en fonction de la structure technique qui est baissière pour le moment sur le Nasdaq 100. Et vous voyez, le creux qui a été fait ici le 24 février, il a été précédé par ce petit, tout petit rallye de contre-tendance. Ça veut dire que tant que les cours restent sous 15 060 points, on peut avoir, c'est pas qu'on peut avoir, c'est qu'on doit avoir une lecture baissière sur le Nasdaq 100 dans la mesure où il peut tout à fait continuer de rebondir un peu et puis repartir à la baisse et casser le support. Ça veut dire que ce niveau à 15 060 points, c'est un niveau pivot, c'est-à-dire un niveau qui va décider du diagnostic qu'on va avoir. Tant que nous avons des sommets qui sont baissiers, où on est dans une tendance qui est négative, si à un moment on a un sommet, le dernier, celui qui précède le creux qui est dépassé, alors on aura une interruption de ces sommets qui sont baissiers, on aura pour la première fois un sommet haussier par rapport au précédent, c'est celui-là qui compte, et par contre c'est lui, ce sommet, c'est pas celui-ci du double creux, c'est ce sommet-là à 15 060 qui structure la dynamique baissière. À partir du moment où ce sommet est dépassé, on passe dans la zone de confort. Et puis, encore une fois, si le Nasdaq 100 arrive à dépasser les 16 600 points, alors on a la tendance haussière de moyen terme qui reprend son cours et tout va bien. Donc pour le moment, zone d'incertitude, zone grise, où encore une fois, on ne sait pas très bien quelle sera l'issue des mouvements actuels, même si encore une fois, regardez, le double creux était déclenché. Alors, c'est vrai que cette cible théorique est au-dessus des 15 060 points, puisqu'elle est à 15 616 points. On va voir si le double creux produit ce qu'on attend de lui. S'il y arrive, alors effectivement, nous serons passés dans la zone de confort. Et puis, s'il bute ce Nasdaq 100 sur les 15 060 et qu'il repart à la baisse, ça voudra dire qu'on reste dans la zone d'incertitude. Merci beaucoup, Laurent, pour cette analyse. Maintenant, on va. Donc, ça, c'était les zones, en fait, sur le Nasdaq 100. Et maintenant, tu veux revenir et nous montrer des forces relatives Nasdaq contre les S&P 500. Oui. On est où, en fait? Alors, je reprends un petit peu le fil de la discussion d'hier soir, où je vous expliquais que malgré la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis, on a un Nasdaq 100 qui est fort. Alors, cette force, on peut la voir, voyez ici, dans ce... Quel remontada. Voilà, dans ce ratio de force relative, c'est-à-dire qu'on va diviser le Nasdaq 100 par le S&P, et si le ratio monte, eh bien, ça veut dire que le Nasdaq 100 progresse à la hausse plus vite que le S&P, puisque nous sommes dans une phase de rebond. Alors, j'ai continué hier mon discours en vous disant que l'une des explications qu'on pouvait trouver à cette force du Nasdaq 100, c'était le fait que les valeurs de la tech étaient peut-être considérées comme des valeurs refuges, et en particulier les GAFAM. Alors, ce que j'avais envie de faire ce soir, c'est de vous montrer comment j'étais arrivé à cette conclusion, parce qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant ce que je dis, je peux me tromper. Donc, c'est important aussi que je vous montre comment je raisonne et surtout comment les charts me donnent ces informations. Alors, on va regarder, donc, avant de passer sur les autres graphiques, ce que vous voyez ici, c'est que le Nasdaq 100 est donc en phase de remontada, comme tu viens de le dire. Non, mais je vais te citer, en fait, d'autres émissions où j'ai déjà utilisé le mot, ou entendu le mot de ta part. Voilà, donc, on est effectivement dans une remontada sur le Nasdaq 100 par rapport au S&P, c'est-à-dire qu'il va plus vite dans la hausse, et on a ce petit niveau ici, du 24 février, qui n'a pas encore été dépassé. Si ce niveau du 24 février était dépassé, sur le ratio de force relative, alors ça voudrait dire qu'on a potentiellement plus de surperformance à attendre encore du Nasdaq 100 par rapport au S&P. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre ce point pivot ici du 24 février comme référence et voir où en sont les autres indices liés à la technologie par rapport à ce dernier petit sommet dans la baisse du 24 février. Alors ici... Et ça continue. Voilà, donc ici, vous avez... Le XLK contre le SPX. C'est quoi le XLK? Alors, qu'est-ce que c'est le XLK? Le XLK, c'est un ETF
qui traque le secteur de la technologie américaine. Il faut savoir qu'aux États-Unis, le S&P est divisé en 9 secteurs et que le secteur de la tech, eh bien, c'est le S&P Tech qui est traqué par un ETF de Spiders Sectors qui s'appelle le XLK. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans le ratio de force relative du secteur de la tech? Tout le secteur de la tech. C'est pas si génial, en fait, comme dans l'autre force relative. Exactement. Alors, par rapport au S&P. Conclusion. On est beaucoup moins fort. Cette remontada, elle est beaucoup moins forte. Donc, ça veut dire que tout le secteur de la tech n'est pas si fort que ça. Donc, il faut acheter un nouvel iPhone, en fait. Attends. Donc, du point de vue donc, du secteur global de la tech, on est effectivement dans une séquence de surperformance, mais qui est moins forte que celle du Nasdaq 100. Alors, on va aller un tout petit peu plus loin et on va regarder ce que fait le secteur des semi-conducteurs. Et lui aussi, il est faible, ce secteur des semi-conducteurs. Regardez, par rapport toujours à ce sommet du 24 février, il est encore très bas. Et en plus, il est en train de repartir à la baisse par rapport au S&P. Donc, ça veut bien dire que ce n'est pas tout le secteur de la tech qui actuellement est recherché par les investisseurs. Ce n'est pas le secteur des semi-conducteurs, c'est les GAFAM. Les GAFAM, ce sont elles, ces GAFAM, qui soutiennent le Nasdaq 100. Alors, c'est important de le comprendre. Donc, ils ne sont pas dans le secteur de la tech, les GAFAM? Alors, justement, non. Ah. Non. Par exemple, Tesla fait partie du secteur de la consommation discrétionnaire. Facebook fait partie du secteur de la communication. Microsoft, lui, fait partie de la tech, du secteur de la tech. Donc, ça veut dire Apple fait partie de la tech. Okay, donc c'est Google, communication. Ah oui, Netflix, d'accord. Communication. Ah oui, c'est intéressant. Alors. Donc, ça veut dire que du point de vue du découpage des secteurs, les GAFAM sont transversales. Même s'il y a toujours beaucoup de tech dans Tesla, puisque c'est essentiellement... C'est quoi la valeur ajoutée de Tesla? À part le fait que ce sont des voitures électriques, c'est la somme de logiciels qui animent, qui font fonctionner le véhicule. Donc, même si on a beaucoup de tech dans Tesla, ce n'est pas le secteur de la tech. D'accord, par exemple, Amazon... C'est intéressant le cas d'Amazon parce que Amazon, on connaît tous l'entreprise pour l'activité de retail. Est-ce qu'il est dans le Dow Jones Transportation Amazon? Pas encore. Pas encore. Il devrait peut-être. Mais peut-être un jour, oui. Alors, même pas. Même pas. Même pas même parce pas. Que Amazon Web Services, c'est pas des semi-conducteurs. Oui, bien sûr. Donc, en fait, ce que je voulais dire, c'est que Amazon fait partie du secteur du retail, du retailing. Incroyable. Hein, alors que tous les bénéfices de Amazon ne viennent pas du retail, c'est-à-dire de l'activité donc de distribution, mais justement de Amazon Web Services qui est en concurrence, par exemple, avec Google, avec IBM, et qui est l'activité de Amazon de ce qu'on appelle le cloud computing, c'est-à-dire cloud privé, cloud public, les entreprises délocalisent leur data center chez Amazon qui gère pour elle en infogérance toutes ces datas. Donc Amazon, qui est clairement une entreprise de la technologie, de par son activité de e-commerce, mais en plus de par son activité sur le cloud computing, n'est même pas dans le secteur de la technologie. C'est important parce que quand vous avez des gérants qui gèrent des OPCVM, des fonds communs de placement, qui ont un cahier des charges bien précis, avec une allocation particulière et déterminée d'avance sur la consommation discrétionaire ou sur la tech, ils sont obligés de respecter ce cahier des charges. Et donc, s'ils veulent mettre plus d'Amazon dans leur fonds, s'ils doivent respecter un certain quota, eh bien, ils ne peuvent pas parce que Amazon fait partie de la consommation discrétionnaire, de la distribution, pardon. Donc, ça veut dire qu'au niveau de l'allocation d'actifs et des différentes SICAV américaines, on a des gérants qui sont obligés de respecter le fait que Tesla, c'est de la consommation discrétionnaire, c'est pas de la tech. Donc, s'ils veulent investir dans la tech, ils ne peuvent pas prendre du Tesla, même si elle a pris 7000%. Ils sont bloqués. Donc voilà, c'est très important de comprendre que les GAFAM, c'est un acronyme qui est en fait transversal et qui, avec des raccourcis, nous fait penser que c'est le secteur de la tech US, mais en fait, c'est un tout petit peu plus subtil que ça. Quand on regarde, quand on monte un petit peu la granularité, on voit bien qu'on a du retail, de la distribution, de la communication et aussi de la tech.
Magnifique. Très, très belle analyse. Donc, voilà. C'est les GAFAM qui portent le Nasdaq. C'est ça, en fait, le message. Pour conclure... C'est les stars, en fait. C'est les stars. C'est les stars qui sont surcapitalisées par rapport aux autres entreprises et du S&P et du Nasdaq 100. Alors, c'est vraiment Apple, c'est Google, c'est Amazon, etc. C'est elles qui portent le Nasdaq 100. Ce sont ces GAFAM qui portent le Nasdaq 100. Et ce n'est pas encore le secteur de la tech dans son ensemble. Merci beaucoup Laurent, on va passer maintenant à notre rubrique qui s'appelle Charts en les ventes, c'est là où vous pouvez proposer des valeurs et Laurent les analyse pour vous. Et on commence ce soir avec François qui dit « Je propose Ruby qui a visiblement testé une zone de résistance vers 26,30 dans des très gros volumes vendredi, c'était aussi la fin du mode boursier. » Mais cette zone est quasiment la même qu'il y a 3 mois, serait-ce le signe d'un nouveau départ. Laurent, est-ce qu'il y a un nouveau départ pour Ruby? Quel poète? Non. François. Je ne vois pas, François, de nouveau départ sur Ruby. Attention, peut-être qu'il y en aura un demain ou, après, ou la semaine prochaine. En tout cas, pour le moment, je ne vois rien de particulier sur Ruby. Alors attention, François, parce que vous dites fort niveau de résistance à 26 qui a été testé. Non, c'est un support. Hein. C'est ce niveau de support ici qui a été testé. C'était une résistance et ensuite c'est devenu un support. Donc on est à l'intérieur d'un range ici, entre 25,73 et 28,53. Alors peut-être que Ruby va repartir à la hausse, mais en tout cas, pour le moment, on ne sait pas. On ne peut pas avoir un chart plus neutre que ça. Parce que c'est vrai que elle a fait un plus bas plus haut que le précédent, mais elle est toujours dans une dynamique de plus haut, plus bas que le précédent. Donc, on est clairement dans une consolidation. Il va falloir attendre, François. Si 28,53, qui est résistance, est franchi en clôture, alors là, pour le coup, on pourra avoir effectivement une lecture positive avec un retour de Ruby entre 31 et 32,13, ici. Si, en revanche, le support à 25,73 est enfoncé, alors, effectivement, il y a un risque baissier qui s'ouvre et qui peut remettre les cours sur 23,50. Mais pour le moment, on est dans ce que j'appelais tout à l'heure la zone d'incertitude sur le CAC 40. Et bien, sur Ruby, on est dans une zone d'incertitude. Ça veut dire qu'il va falloir attendre le franchissement ou la rupture, le franchissement de la résistance ou la rupture du support. Pour le moment, regardez, on est un petit peu plus près, on est dans le tiers supérieur du range. Est-ce qu'on a un timing pour acheter Ruby? Non, parce que le stop se place encore tout en bas à 25,73, donc ce n'est pas très intéressant. Est-ce qu'il faut vendre Ruby et le shorter? Pourquoi pas, mais je ne suis pas très convaincu par cette idée non plus, parce qu'on a quand même des creux qui sont ascendants. Donc on est vraiment sur un marché qui se cherche autour donc, des niveaux actuels. Et donc, si le marché se cherche, s'il n'y a pas d'indication claire sur le mouvement directionnel, eh bien, il ne faut pas surinterpréter et attendre que plus d'informations arrivent sur nos écrans. Ces informations, en l'occurrence, c'est le franchissement de la résistance à 28,50 ou la rupture du support à 25,73. Dépassement de 28,50, je répète, target entre 31,20 et 32,13. Merci beaucoup Laurent pour l'analyse de Ruby. Merci à François d'avoir proposé Ruby. Maintenant, on va passer à une proposition de notre ami Don Corleone qui dit « Je propose d'analyser GTT qui se rapproche à ses niveaux historiques et du seuil psychologique de 100 euros. Le marteau dessiné vendredi 18 mars avec des volumes très importants, entre parenthèses, mais c'était la journée des 4 sorcières, parenthèse fermée, a montré que les acheteurs étaient présents au niveau de la MM20. Que pensez-vous? Merci. Eh bien, je suis d'accord avec Don Corleone. GTT est dans une phase de tendance haussière qui, pour le moment, ne donne pas d'indication particulière de faiblesse. Alors oui, on peut noter en bas que le RSI est en train de faire un sommet plus bas que le précédent, mais attention, pour le moment, Ruby, elle est en train de monter. Ça veut dire qu'elle va peut-être aller sur 104. Et si, par exemple, elle allait sur ce niveau, eh bien, nous verrions que le RSI est repassé en zone de surachat. Attention, petit cours de 30 secondes sur le RSI et ses divergences baissières. On a effectivement une divergence baissière sur le RSI quand le premier sommet du RSI est en zone de surachat et que le deuxième sommet du RSI n'est plus en zone de surachat. Si par exemple on a GTT qui ne monte pas à 104 mais qui monte par exemple à 102 et qu'on a un RSI qui, se,
qui navigue autour des 76,50 et que GTT repart à la baisse, nous n'avons pas de divergence baissière sur le RSI. Ce qu'il faut, ce que la divergence baissière signale, c'est un épuisement de la tendance haussière. Enfin, l'hypothèse d'un épuisement de la tendance haussière. Cet épuisement, il est avéré si lorsque les cours font un nouveau sommet, le RSI est incapable d'être dans sa zone de surchauffe. S'il retourne dans sa zone de surchauffe lors du deuxième sommet, même si le sommet du RSI est moins haut que le premier, à partir du moment où il est en surchauffe, il n'y a plus de divergence baissière. Deuxièmement, la divergence baissière, elle n'est validée que lorsque le cours du RSI casse le petit creux qui sépare les deux sommets. Pour le moment, ce n'est pas du tout le cas. Donc on ne peut pas parler pour le moment de divergence baissière sur le RSI, d'abord parce qu'il va vraisemblablement rentrer dans sa zone de surachat, et deuxièmement parce qu'il n'a pas du tout cassé le creux qui sépare les deux sommets. Donc sur GTT, toujours positif. Le prochain target, il est donc sur ce niveau ici, qui est la mèche haute d'il y a 15 jours, à 99,70, autrement dit à 100 euros. Sur franchissement, les targets suivants sont à 104,85, 108,25. Et on a effectivement un marteau avec des volumes très impressionnants sur GTT, qui montre encore une fois, comme Don Corleone l'a souligné, un retour des intérêts acheteurs qui ont repropulsé les cours vers les précédents plus hauts. D'ailleurs, si on se met en ligne de clôture, je crois bien qu'on est en train de faire un nouveau sommet pour le mouvement. Donc, on a une tendance haussière qui est confirmée. Donc, encore une fois, je ne vois pas de contre-indication à une lecture haussière sur GTT. Premier target, 100 euros pour simplifier, et puis ensuite 104,85 et 108,25. Merci Laurent, merci Don Corleone d'avoir proposé ces valeurs. Alors maintenant on va passer à la proposition d'Eric qui dit Interparfums recherché aujourd'hui vu les volumes. Donc c'était hier. Oui. Est-ce que tu es d'accord avec... Waouh, quel bel volume, mais aujourd'hui c'est différent. Exactement. Alors aujourd'hui c'est très différent puisque on a une bougie rouge qui donne l'impression que la pression vendeuse n'est pas terminée sur Interparfums. Les volumes d'aujourd'hui sont évidemment entre 4 et 5 fois moins importants que les volumes d'hier, mais plus importants quand on regarde cette moyenne mobile que vous voyez ici à 20 jours, qui représente un petit peu la moyenne des volumes sur le mois écoulé, eh bien, vous voyez que les volumes d'aujourd'hui sont à peu près en ligne, un petit peu supérieur au volume du mois écoulé, mais guère plus. Alors, la question, c'est comment interpréter donc ces volumes d'hier sur Interparfums. Très difficile de savoir effectivement à quoi ça correspond. Des couvertures de short, peut-être, mais ça ne me paraît pas très convaincant pour le moment comme explication. J'ai plutôt l'impression qu'on a malgré tout des opérations d'achat qui sont venues sur ce marché et qui ont été donc invalidées aujourd'hui, mais avec des volumes beaucoup moins importants. Alors pourquoi que pouvons-nous conclure de ce contexte un petit peu compliqué sur Interparfums? On a ici une zone de support, Eric, qui date de la fin du mois de septembre de l'année dernière. C'est un support qui est important. Si Interparfums retourne dans cette zone entre 53,10 et 51,50 et qu'on n'a pas de nouveau des opérations d'achat qui soutiennent les cours, on peut peut-être penser que les opérateurs qui ont payé le titre dans la séance d'hier se disent qu'ils sont prêts à tenir leur position longue perdante jusqu'à ce niveau de support entre 51,50 et 53,10. En revanche, si ce niveau est enfoncé, alors on aura beaucoup d'opérateurs, en tout cas ceux qui ont payé Interparfums depuis environ 15 jours, qui se retrouveront piégés parce qu'ils avaient pensé que les cours allaient repartir à la hausse. Et en fait, on a tout de suite des forces de rappel baissière qui empêchent la progression des cours et qui sera confirmée, cette pression baissière, sur la rupture des 51,50. Donc, on est dans un moment un petit peu fragile sur Interparfums, avec beaucoup de volume hier à l'achat, des opérateurs qui ce soir
visiblement, sont piégés par rapport à leur opération d'hier. Ils vont tenir jusqu'à 51,50, mais si ce niveau est enfoncé, alors il va y avoir un risque baissier plus important sur le titre qui pourrait découler et déboucher sur une dépréciation des cours beaucoup plus importante. Merci Laurent pour l'analyse et merci d'avoir proposé ces valeurs, Eric. Alors, on continue avec la proposition de Gok Laye qui dit « Je propose Unibail Rodamco Westfield à moyen terme au vu de son parcours chaotique depuis la chute du Covid. » Alors, parcours chaotique sur Unibail, on est clairement ici, regardez, dans un range sur la valeur. Voilà, je vais mettre ce haut de range en gras que vous voyez ici avec une fausse sortie haussière. Et puis ici, on a la borne basse de ce range avec une fausse sortie baissière et Unibail qui, depuis le mois d'octobre dernier, continue donc de naviguer entre le support et la résistance au gré donc des mouvements du marché. Quand il y a le rebond sur le CAC 40 et les valeurs françaises, Unibail rebondit. Et puis là, on voit qu'elle a du mal à dépasser ce niveau à 63,80 et qu'elle est sur un niveau de support ici à 61 €. Là encore, zone d'incertitude. C'est-à-dire que à l'intérieur de cette petite fourchette de prix, on ne sait pas exactement vers quoi Unibail se dirige. Là, aujourd'hui, hier, elle a tenté de rebondir. Aujourd'hui, elle est en train de repartir à la baisse et peut-être de casser cette zone de support à 61 €. Si demain, elle confirme la cassure de ce niveau de soutien, alors elle peut retourner jusqu'à 55,60. Si en revanche, demain, il y a un rebond et que ce niveau de support est défendu, qu'elle retourne sur la résistance, qu'elle dépasse la résistance, alors effectivement, elle pourra retourner sur 69,85. En attendant, il faut attendre parce qu'on peut encore avoir un contre-pied du contre-pied d'aujourd'hui, puisque hier, vous voyez, on a eu une bougie verte qui prenait à contre-pied les trois séances baissières. Et puis aujourd'hui, on a une bougie rouge qui prend à contre-pied la séance d'achat d'hier. Et demain, on peut avoir un contre-pied qui va invalider la séance de vente d'aujourd'hui. Donc, on est dans un mouvement un petit peu comme ça, incertain. C'est de la conso. Si le support est enfoncé, c'est-à-dire les 61,08 sont enfoncés, le risque, c'est qu'elle retourne sur 55,60. Merci beaucoup, Laurent, pour l'analyse. Merci, Gok Laye, d'avoir proposé ces valeurs. On va passer maintenant notre slide de rappel des idées. Alors. Donc, sur ASMI, j'avais remonté le stop hier de Tech Profit. Il a justement été touché aujourd'hui. Donc, on sort ASMI de notre tableau et on reste comme ça. Donc, on va reproposer des valeurs pour le repeupler doucement. Dans un contexte quand même qui est un petit peu compliqué parce que c'est un petit peu difficile de savoir comment les choses vont s'organiser dans les prochains jours. Je reste positif sur le CAC 40, vous l'avez compris, mais peut-être qu'il faudrait attendre que la respiration se termine, que le gap haussier soit travaillé, que le rebond arrive. Et là, il faut rechercher vite des valeurs qui rebondiraient avec le CAC. Des fois, j'ai l'impression que le marché, les mouvements de marché, c'est comme un poème, comme un film, tu vois. Il faut... Et après, si tu veux... Oui, il y a un rythme. Oui, exactement. Ouais, une pièce de musique. Il y a un rythme. Il faut essayer de le saisir. Alors, des fois, on y arrive mieux que d'autres fois. Ouais. Ça dépend. Mais voilà. Moi, je pense qu'il peut y avoir encore un petit peu de respiration sur le CAC avant de revoir des acheteurs, si il y a acheteurs. Des fois, ça rime. Des fois, ça rime pas. Exactement. Alors, rappel des idées. Donc, voilà, l'agenda économique, elle est très, très, très remplie. Laurent. Les PMI manufacturiers demain pour le mois de mars, l'indice des directeurs d'achat en Allemagne qui sont attendus à 55,8. Les PMI manufacturiers, les mêmes pour le mois de mars, cette fois-ci pour la zone euro, attendus à 56. Et puis le sommet des dirigeants de l'Union européenne demain, où il va être encore débattu de plein de sujets sur l'indépendance énergétique de la zone euro. Bon, plein de choses très intéressantes. On sera demain abreuvé par les différents médias pour savoir ce qui s'y est dit. Oui. Aux USA, les commandes de biens durables pour le mois de février attendues en hausse de 0,6%. Les inscriptions hebdomadaires au chômage attendues à 212 000 nouveaux demandeurs d'emploi sur la semaine. Et puis l'indice PMI manufacturier du mois de mars attendu aux États-Unis à 56,5. Merci Laurent pour cette émission d'aujourd'hui. On va rappeler qu'on a une super compte Twitter que vous connaissez déjà, 5945 abonnés. Allez-y, soyez nombreux, nous retrouver sur Twitter parce que c'est là où vous pouvez trouver les tweets de Laurent et Daniel tout au long de la journée entre les
émissions. Alors, dernière chose, voilà, c'est notre chaîne YouTube. Petit rappel, c'est encore ce soir, vous pouvez proposer des valeurs dans le vidéo de l'annonce pour le webinaire demain, 12h30, Daniel Cohen de Lara, 1h de Ichimoku. Donc, posez vos questions, c'est maintenant, c'est pas demain après-midi, parce que l'émission est demain à 12h30. Voilà. Sur ce, je vous souhaite tous une excellente soirée, mon cher Laurent aussi. Et merci pour cette belle émission. On se retrouve demain matin à 9h30 pour une nouvelle aventure où on va regarder la clôture du marché américain ce soir et également l'ouverture de CAC 40 et du DAX. Je vous souhaite tous une bonne soirée. Merci. Merci, Falco.